J'espère que tout va bien pour vous. Ça fait un petit bout de temps que vous m'avez pas vu parce qu'on avait beaucoup de choses à gérer avec Julie, ma vidéaste, et que je voulais vraiment vous faire un tutoriel unique pour les fêtes de Noël. Donc je suis désolée, ça résonne un petit peu parce qu'on est en train de remettre en place la chambre d'amis. Désolée en tout cas si jamais ça vous gêne, c'était pas du tout voulu. Donc du coup il y aura un tutoriel unique de Noël avec justement la nouvelle palette de fard à paupières ultra pigmentée et ultra pailletée de chez Zao. Du coup je vais vous montrer un exemple de maquillage qu'on peut faire avec cette palette, sachant qu'il y a quand même 10 couleurs. Donc bien sûr qu'avec 10 couleurs on peut faire plein de différents dégradés, de différents smokey eyes, on peut vraiment faire plein de choses différentes. Donc bien sûr le pigmenté ça plaît pas à tout le monde, c'est pas évident à utiliser, donc je vais vous expliquer comment utiliser les fards à paupières pailletés, parce que c'est vraiment à utiliser avec parcimonie, parce que sinon malheureusement soit c'est pas assez visible sur la paupière, soit vous avez tout qui tombe sous les yeux. Donc c'est hyper important de vraiment bien travailler sa matière pour que les pigments se ressortent le mieux possible. Moi j'ai déjà fait le teint, la bouche, j'ai déjà mis du mascara, j'ai fait mes sourcils, afin qu'on puisse vraiment se concentrer sur la palette et que le tutoriel ne dure pas trop longtemps. J'ai mis le prune de la palette Kiss Kiss Bang Bang de l'année dernière et donc j'ai mis sur le niveau du teint le fond de teint 701, le correcteur j'ai mis la touche lumière 721, la poudre on est sur la 301, le blush donc c'est le bois de rose rosé, c'est le 322 si je dis pas de bêtises. Vous pouvez aussi rajouter du shine up powder si vous voulez au niveau du haut des pommettes. Comme on va déjà mettre des choses très pailletées sur les yeux, j'ai décidé de mettre que du mat sur tout mon visage. Et bien sûr la bouche si vous préférez, vous pouvez utiliser un gloss. Étant donné que la palette de Noël, il y a des couleurs assez intenses, en général on aime bien mettre des gloss sur la bouche. Moi, c'est vrai que pour les fêtes, j'aime bien faire les yeux et la bouche intense. Si vous faites les yeux intenses avec donc les couleurs foncées de la palette, mettez plutôt un gloss. Et si vous faites les yeux plutôt naturels avec les couleurs claires de la palette, dans ces cas-là, mettez plutôt une couleur plus intense. Moi, comme j'ai des lunettes et que j'aime bien le côté un peu intense partout, voilà, moi je mets partout parce que j'aime bien. Voilà, ça c'est ma personnalité, on est tous différents, puis c'est les fêtes de Noël, c'est pas un maquillage qu'on va faire pour aller en boîte de nuit ou pour sortir, c'est vraiment un maquillage pour soi, pour sa famille, pour son entourage, ses amis, donc on peut un petit peu plus se lâcher sur les couleurs. Bien sûr, très important, n'oubliez pas qu'il y a les nouveaux vernis de chez Zao. Quand je dis nouveaux, ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont sortis. Donc là aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le rouge passion, donc qui fait partie de la nouvelle collection de vernis, donc c'est le numéro 668. Donc c'est un très joli rouge. Sur les ongles, ça va faire un grenadine framboise. Il est quand même très très proche d'un rouge. Moi, je le trouve magnifique. Donc là, j'ai mis deux couches. Et par-dessus, j'ai mis le top coat pailleté, qui est très sympa. Là, c'est la deuxième fois que je l'utilise. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai été super étonnée du rendu. Je ne m'attendais pas à une telle couvrance, une telle brillance. Et les paillettes sont super mignonnes parce qu'elles ne font pas trop kitsch. Alors, en ce qui concerne la composition des fards à paupières, sachez que souvent, dans les grandes surfaces ou les marques classiques ou de grandes marques que vous allez acheter, très souvent, les paillettes sont assez abrasives pour les yeux. Souvent, ça pique ou ça fait des rougeurs. On a du mal, quand on se démaquille, la paillette a tendance à racler la paupière et la peau. Là, on n'a pas du tout ce souci-là puisqu'il y a de l'huile de ricin qui va hydrater et de la poudre de bambou qui va être riche en silice et qui va régénérer votre peau. Oui, je baisse les yeux parce que je triche pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Alors moi, ce que j'ai adoré avec cette palette, déjà, c'est assez rare d'avoir des paillettes uniquement pailletées. En tout cas, chez Zao, moi, j'en avais jamais vu. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a vraiment un large choix. Donc tout le monde peut trouver son bonheur avec cette palette. Les personnes qui aiment les teintes nude, les personnes qui aiment les teintes intenses, les personnes qui aiment les teintes médium, il y a vraiment de tout. Des couleurs chaudes, des couleurs froides. Moi, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a un miroir intégré. Donc le miroir intégré, très pratique pour faire des retouches. Et également, vous avez donc le pinceau, donc pinceau boule et pinceau langue de chat. Donc là, ce sont les pinceaux qui sont intégrés déjà à l'intérieur de la palette, ce qui fait que vous pouvez faire des retouches dès que vous arrivez à votre dîner pour vous pomponner. Voilà, vous avez les deux pinceaux qui sont donc ensemble. Et après, voilà, comme c'est très fin,
vous avez juste du coup à la glisser dans votre sac. Donc voilà comment ça se présente hein, du coup. Ça présente comme ceci. Enfin je trouve que c'est vraiment un magnifique objet en plus. Dans la salle de bain c'est trop beau. Dans le sac ça se glisse très facilement parce que c'est très 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 fin. Vous voyez, c'est vraiment très facile à glisser. Et derrière, vous avez toutes les couleurs qui sont répertoriées pour vous aider un petit peu à trouver les couleurs que vous appréciez le plus. Donc bien sûr, cette palette est bio, hein, comme tous les produits Zao, 100% naturel et également vegan. Donc il faut savoir qu'il restait 2-3 produits chez Zao qui n'étaient pas encore vegan. Ça y est, maintenant, ils le sont tous les produits. Donc moi, étant vegan, forcément, c'est quelque chose qui était important pour moi. Mais je savais que les personnes qui ont créé cette marque allaient dans ce sens. Donc la marque est désormais 100% vegan, donc vous n'avez plus du tout de soucis à vous faire. Elle n'avait jamais été testée sur animaux. Les seuls produits qui étaient utilisés, c'était la cire d'abeille. Il ne restait que la cire d'abeille. Et c'est terminé maintenant. Donc là vraiment, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. C'est vraiment très fiable. Et dernière chose, les paillettes, vous allez sûrement me parler des nanoparticules. Alors je tiens à le repréciser parce que c'est souvent ce qu'on me reproche par rapport à la composition des produits Zao. Souvent à la fin vous avez le dioxyde de fer et le dioxyde de titane, si je dis pas de bêtises. Sachez que ces produits ne sont pas en nanoparticules dans les produits Zao, ils sont en microparticules, c'est-à-dire plus gros. Donc ce qui fait que ça ne peut pas rentrer dans votre peau et dans votre sang, donc vous n'avez pas de soucis au niveau des maladies neurologiques, etc. Donc voilà, et en plus le dioxyde de titane et le dioxyde de fer sont extraits dans la nature, hein, donc c'est bien une marque 100% naturelle. Dites-vous bien que Zao met un point d'honneur au niveau de la recherche, ils feront toujours tout pour que ça n'embête pas votre corps, votre métabolisme, et surtout que ça ne fasse pas des problèmes de santé. Donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Moi je fais uniquement les yeux puisque j'ai déjà fait le reste avant. Je pense que je vous ai suffisamment montré de maquillage complet ainsi que de maquillage spécial teint et lèvres. Donc là au moins on va vraiment cibler sur les yeux. Donc nous allons utiliser 4 couleurs. Parce que si j'utilise les 10, on n'a pas fini. Bien sûr c'est à vous aussi de moduler en fonction de la couleur de vos yeux, de vos cheveux, de ce que vous aimez. Moi j'ai pris bien sûr le parti de faire un maquillage intense parce que c'est ce qui me va le mieux et c'est ce que je trouve le plus sympa pour Noël. Après bien sûr tout dépend de vos goûts et de vos habitudes. Donc nous allons partir sur un dégradé de bleu. Nous allons également utiliser le gris anthracite qui est juste à côté. Ensuite nous allons utiliser le joli bois de rose qui est juste ici. Et au coin interne nous allons utiliser le rose clair nacré. Donc bien sûr après on peut moduler. Et ce qui est super beau aussi, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est le dégradé de cuivré. Avec le cuivré qui est ici, le doré et au coin interne le rose clair nacré qui fait aussi un peu beige. En premier lieu, nous allons utiliser la base de fard à paupières bois de rose cuivré numéro 251. Très important, mettez bien quelque chose de crémeux sous vos fards pigmentés, pailletés. Sinon vous avez tout qui va tomber sous les yeux, vous n'aurez aucun pigment. C'est vraiment très important, n'hésitez pas à mettre une couche bien épaisse. Là j'ai pris le bois de rose cuivré parce que c'est vraiment celui qui va le plus aller avec les couleurs que j'ai choisies. Ensuite on va utiliser le crayon prune numéro 606. Donc on a mis le crayon prune au ras des cils inférieurs parce qu'il va servir de base pour mettre notre fard pailleté pigmenté. Et le crayon noir il va permettre de structurer le dessous de l'œil, donc au niveau du ras des cils. Donc là voilà, c'est Noël, on peut se lâcher, on peut mettre du crayon sur la muqueuse, d'autant plus comme vous n'avez pas de nanoparticules dedans. Pose aucun souci, une fois de temps en temps vous pouvez vous mettre du crayon sur la muqueuse du moment que vous le démaquillez bien et que c'est pas non plus tous les jours, sinon ça risque de boucher le canal lacrymal, beaucoup moins avec du 100% naturel comme Zao, mais quand même c'est quand même du maquillage, donc à faire avec parcimonie. On continue cette fois-ci donc avec notre fameuse palette. Le pinceau qui est intégré, pour moi il sert à faire des retouches. Je vous conseille d'utiliser vos pinceaux habituels parce que vous pourrez vraiment faire comme vous le souhaitez au niveau de la dose, de la quantité et également de la taille. Donc nous allons utiliser le bleu marine avec le pinceau biseauté pour faire le ras de cils inférieur. Quand on prend un fard à paupières vraiment très pailleté, on écrase bien le bout du pinceau sur les paillettes pour être sûr que ce soit facile à étaler et surtout on tapote bien. Ensuite, le gris anthracite, lui va donner un effet très métallisé et très sophistiqué au maquillage. Ensuite, on va utiliser notre joli bois de rose qui est un rose très lumineux. Donc lui, il va être vraiment au centre de la paupière pour donner de la lumière. Nous allons utiliser notre joli rose clair nacré. Nous allons passer à la paupière supérieure. Donc là, nous allons utiliser le pinceau boule qui est juste ici.
avec donc notre couleur foncée, le bleu marine. Avec ce genre de couleur pailletée et très pigmentée, c'est l'idéal en plus pour faire un maquillage de soirée, de vraiment étirer vers l'extérieur, éviter le côté rond, parce que du coup avec les paillettes, souvent ça fait des yeux globuleux, c'est pas joli. Nous allons réutiliser le gris anthracite avec notre gros pinceau estompe. Ensuite, le bois de rose qui est ici. Pour terminer, notre joli rose clair nacré au coin interne et sur l'arcade. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire en dégradé de fard à paupières avec les 10 couleurs de cette palette clin d'œil numéro 2 de chez Zao. Donc sachez que vous pouvez laisser comme ça, donc en mettant le mascara à la fin, moi je l'avais mis avant pour pas qu'on perde de temps pendant le tutoriel et parce que je pense que je vous ai suffisamment montré comment on mettait le mascara. Avec la forme de mes yeux, je trouve qu'il est plus judicieux d'habiller le ras de cils supérieur avec un eyeliner noir ou un eyeliner foncé. Surtout qu'en plus j'ai fait un trait de crayon noir au ras des cils inférieur. Après bien sûr c'est selon vos goûts, comme on a déjà bien étiré le regard, ce n'est pas très grave s'il n'y a pas d'eyeliner. Moi personnellement je trouve que c'est beaucoup plus joli pour un maquillage de Noël, donc je vais appliquer l'eyeliner noir, donc le numéro 060. Et ensuite, je vais m'amuser à faire des petites étoiles avec l'eyeliner argenté 062 et l'eyeliner prune 063. Donc bien sûr après vous mettez votre mascara, vous le brossez bien avec votre brosse spéciale mascara. Le mieux c'est de mettre deux couches comme on fait quand même un maquillage intense. Donc toujours vers l'extérieur afin d'aller avec le côté étiré du maquillage. Alors moi j'ai décidé d'incrémenter avec un rouge à lèvres mat et un blush mat. Moi j'ai décidé de sculpter les joues parce que c'est ce qui me va le mieux et que j'aime pas trop les blushs qui sont juste sur la pommette, je trouve que ça me va beaucoup moins bien. Bien sûr vous pouvez mettre votre blush en fonction de ce que vous avez l'habitude. Je pense que comme les yeux sont quand même très pailletés, il vaut mieux faire un teint et une bouche plutôt mat. Du coup j'espère que ce tutoriel de Noël vous aura plu avec donc la palette clin d'œil numéro 2. C'est une palette spéciale Noël mais bien sûr vous pouvez l'utiliser pour d'autres occasions. Quand vous sortez en boîte de nuit, quand vous sortez avec vos amis, voilà vraiment vous pouvez l'agrémenter comme vous avez envie. Mais ce qui est bien c'est que là on a vraiment des couleurs hyper pailletées, donc là la gamme de Zao est en train de s'étoffer. Donc c'est vraiment génial parce que bah, bientôt on aura tellement de couleurs qu'on pourra vraiment tout faire en fait. Bientôt je pense que vraiment on pourra aller sur des terrains encore plus différents. Sachez également que cette palette elle sera rechargeable. Ces petits trous en fait vous aurez juste donc à pousser avec une petite épingle et vous pourrez recharger donc avec des fards à paupières de votre choix. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis donc à l'année prochaine et surtout amusez-vous bien, profitez de votre entourage et de votre famille, c'est très important. A bientôt mes petites licornes.